Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. J'espère que vous allez bien. Nous espérons que vous allez bien. Et je suis, comme d'habitude, accompagné de Monsieur Funéral 972. Comment il va, celui-ci? Eh ben, il va très très bien. Et on remarque une seule chose, c'est que la nuit est en train de tomber, Mister B-Boy. Et tu as de très 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 belles lunettes. Et nous sommes donc à l'épisode 6. Et on va parler à Convict Music. Et là, il se retourne et il te lâche un couplet. Hey, t'es un meilleur grimpeur qu'une folle que je connaissais. Bon sang, c'était quelque chose. Elle voulait même grimper le plus haut bâtiment de la ville, la tour VNC. C'était une de tes épouses? Presque, mais trop colérique, même à mon goût. Et ce passage vers le centre? Bien, écoute, de ce toit, tu vois clairement la base des pacificateurs. Oula! Ok, dis-moi en plus. Donc tu m'as amené ici pour jeter un œil aux pacificateurs? Les pacificateurs sont ton ticket pour le centre. Et je te l'ai dit, le seul moyen d'y arriver, c'est de traverser les tunnels du métro. Je vais entrer et attirer leur attention loin de la plateforme. Ensuite, tu entreras dans la station technique du métro. Il y a un sas là-bas. On le prendra ensemble jusqu'à la boucle centrale. On peut pas simplement leur demander de me laisser passer? Non, il y a aucune chance. Pour l'instant, chaque nouveau visage est un suspect potentiel du meurtre de leur commandant. Ils me connaissent. Je fais du commerce avec eux parfois. Je livre des lampes ou des marchandises des zones sombres. On peut toujours tomber sur quelques infectés là-bas, mais rien qu'un pèlerin ne puisse pas gérer. Quand tu arriveras à la station principale, dis-le-moi. Maintenant, il faut aller dormir. Tu sortiras plus tard dans la nuit, quand il y aura moins d'infectés dans les tunnels. Ah, bon, dans tous les cas, la nuit est notre amie. Donc, dans les tunnels, il y a moins d'infectés la nuit? Oui, parce que la journée, ils vont se paquer dedans, ouais. Ouais, ouais. Ça me rappelle un autre jeu, dis donc. Ah ouais, ça me rappelle quoi? Days Gone. Hein? Ah oui. Avec les hordes. Days Gone. Je vois une créature que j'avais jamais vue auparavant. Elle ressemble à quoi? Quelques pustules? Pas grosses, mais super rapides. Sûrement un esquiveur. On trouve des trucs intéressants sur eux. Mais pour en choper un, il faut de bonnes compétences de chasse. Là, c'est pas vraiment le moment pour ça. Va au tunnel. Ok, bon, très bien. Bon, ok, ça c'est nous pas met déjà dans l'ambiance, on est déjà dans l'ambiance. Il veut vraiment pas nous le dire. On est dans l'ambiance, Les tunnels, ils sont à 23 mètres en bas. Quoi? Ah bah c'est sûr que les tunnels, il va falloir qu'on... Et là, fais attention parce que les petits zombies caca, là, qui sont tout lents, maintenant, ils sont tout rapides la nuit. Hein. Mais attends... Attends. Non, reste en l'air, là, ici, là, viens là. Mais non, mais on doit aller en bas, c'est dans les tunnels, regarde. Mais regarde, fais comme ça. T'es où? Discret. Comment t'as fait? Ouais, mais tu t'es cassé la gueule, là. Non, même pas. Allez. Allez. Oh, c'est bon, beau, ça. Je suis cramé à 4 km. ouais. On attend qu'ils arrivent, genre. Ils nous ont vus? Bon, je crois. Hop, vas-y, viens. Viens, bibiche. Mais t'es vu. J'ouvre. Oh non, faut que je crochette. Vas-y, crochette, pardon. Ouais. Mais tout ça, ça doit être trop chiant. C'est bon, bibiche. Let's go. Vite. Non. Vite. Ok. Imagine, c'est tout ça, c'est-à-dire que tu vas te faire chier à tuer tous les zombies et tout. Quelle horreur. Mais t'inquiète pas, nous pourrons jouer jusqu'à 4. Excellent. Tu peux sauter. Ça va, je ride. Et des sacs poubelles. Ok. Ok, on attends, 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 attends. Fais des petits coups des fois de R3 là. Yes. Ok. Et Médoc. Prends tout. Tiens, il y a des bails. Médoc. C'est de l'asporphine. Ouais. 3 mg de pénifilifrine. 8 mg exactement. D'asporphine. 9 mg de pénifilifrine. C'est un lupus. 3 g d'asporphine. Oh, regarde là. Là doit y avoir un. Oh. De l'asporphine. Oh, il y a plein de. Oh, il y a des ravets. C'est dégueulasse. Oh, regarde notre jauge. On oh non. Faut aller notre très jauge, très vite jauge, dans... Ouais. Dans de l'UV là. Oh putain, ici. Vite. En vrai, on va speeder un peu, j'avoue, on prend peut-être trop notre temps. Ok. Après, est-ce qu'on a des champis UV? C'est toi qui as lâché une caisse? Ouais, pardon. Ah, mais on a ramassé des champis UV, on avait. Ouais. Bah, fais flèche du haut et tu le prends et... Attends. Ouais, mais c'est pas foufou, hein. Les champignons UV, ça nous redonne de la jauge. Yeah. Oh.
Il y en a partout. Il y en a un qui marche. Attends. Oh putain. Oh là là. Oh par là. Du mec à droite, come on. Là là là, il y a un champi UV trop ici. Trop tard, je suis sur le mec à droite. Il est là. Oh les problèmes. T'as vu. Je suis dans le tunnel. Tu m'as vu. Ok, maintenant fais attention aux armes. Je déverrouille. Il pourrait y en avoir quelques-uns. Attends, il y a un champi UV ici. Je suis dans la base des pacificateurs. Je vais lancer une fusée éclair en UV par l'appui et tu verras comment ouais, j'ai pris la principale. Il est où? Il est où le champ? Ici, là. Là. Ok, c'est pas mal ça. Et là, tu encore bouffes. Un autre bouffe-le. Ah, voilà, c'est un peu mieux là. Ok. Ça fait bip bip mon immunité là. Bouffe les deux, hein. Oh, oui, je bouffe tous. Hein. Ok, on se casse. Ensuite, faut aller où? Bah fais gaffe, y'a plein de zombies. Bon, ça va, il manque deux. Ouais, mais on va dire que ça fait beaucoup. Vas-y, je lui brise la nuque, occupe-toi de l'autre en face. Nickel. Allez, on y va. Y'a un loot, juste à gauche. Derrière. Non, non, ouais, mais attends. Oh, champi bleu. Quoi? Oh, mec. Non, mais dans le sac, y'a plein de zombies. Boîte de conserve. Dis-moi que t'as un truc UV, toi. Cocktail Molotov. Oh putain, cocktail Molotov. Attends, j'ai des trucs de lancer, gros. Oh, fais gaffe. Oh, des champignons UV. Deux, trois. Oh, je les graille. Je te bouffe ça comme des M&M's, hein. Je sais pas s'il le bouffe ou s'il... Direct, il l'éclate. Pour faire de l'UV dans l'air. Je pense que c'est ça. Vas-y, on peut pas tous occupe les tuer. Occupe-toi des mecs de droite. Ah non, ouais, non, on les tue pas, on les esquive. Ouais. Hein. Mais y'a un mec debout. Ouais, y'a trop de mecs debout. Occupe-toi d'un ou deux, là, gros. Attends, j'ai un Molotov. Oh oh. Ok, n'oublie pas que tu peux esquiver et sauter par-dessus et tout. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah oui. C'est quoi, on bouge? Non, on va au bout, on va au bout. On les tue tous? Bah j'essaie de... Ouais, les tuer. J'ai sorti le... la matraque oh, électrique. Oh, attends, il y a une belle caisse là, bichette. Projetage intermédiaire, je m'en occupe, couvre. Vas-y. Quelqu'un d'autre veut négocier? C'est déjà ouvert. Intermédiaire mes couilles, hein, c'est... Ouh, viens bichette. Une arme. Ouh, du très très lourd. Du riz, des cigarettes, protection en cuir. 27, je vais prendre le marteau, hein, bah les couilles. Hein. Ok, on bouge. T'as revu des petits bails sympas ou pas? Laisse-moi analyser la zone. Non. On analyse. Oh, y'a des lancers de cut. Là, y'a de la ferraille, on ramasse tout, rien à péter. Hein. Je crochette encore, putain, je fais que de crocheter, tu veux crocheter ou pas? Non, vas-y, vas-y, hein, c'est toi le père crochetage. Oui, c'est vrai, ouais. Bon, ça, je cover. Je travaillais à Fort Boyard pendant 8 ans. Jamais réussi à quitter l'île. C'est le... Mais je suis maître crocheteur. Oh oui. Tu peux l'avoir par surprise, lui? Quoi? Je suis censé être caché? Non, c'est bon, je suis caché. Attends, faut pas qu'il te localise. Il m'a localisé bientôt. Il t'a localisé. Tu peux pas l'éliminer? Ouais, allez, c'est bon, c'est fait. On va dire que ça marche. Ok! Ça marche bien. Ok. Oh, une technique. Fufu, oui. Il y a beaucoup de problèmes en bas. On les esquive. Attends, mais c'est où là le bordel là? Oh, t'es à 40 mètres là-bas. Il y a des champis. Attends, je suis dans ton corps. J'ai kiffé, mais quand même. Moi aussi. Voilà, il a un cul lui. Je peux pas l'éliminer. Vas-y, passe, hein, on s'en bat les couilles. Hein. Attends, t'as ramassé les champis? Viens, viens, viens. Ouais, ouais, non. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Je me les éclate là. Ouais, bah ça, je te vois avec tes mains jointes là. Je prie le seigneur des champis. Oh, okay. Mais c'est terrible. Heureusement qu'on est la nuit et qu'il est censé avoir moins de zombies. Mais attends, mais j'aimerais bien y aller deux jours pour voir ce que ça donne. Oh là là, putain, la gueule qu'ils ont, hein. Deux jours, je pense que ça va être plein de, tu sais, les ceux qui ont les pustules, là. T'es prêt? Prends celui de droite. J'ai celui de gauche, là. Je suis dessus. Voilà. Je me demande si on peut débloquer après un finisher un peu plus discret. Bah non, il est discret, celui-là, hein. Oh, des champis.
Ok, allez, clap-toi ça. Ensuite, droite. Ah, toi qui a fait bip. Là, 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 une quête. Prends celui de droite. Ok, nickel. C'est bon, je m'en occupe. Je me fais les deux, là. T'es où, toi? Bah là, il y a une caisse. Et il y a quoi dedans? Bah, de la ferraille. Mais c'est des ressources. Ok, hein, moi, c'est un paquet de clopes, hein. Ça se voit. Alors, j'ai arrêté de fumer il y a 8 ans. J'essaie de commencer. Ouais, c'est 117. Ah, pareil, il y a des clopes. Putain. Ah, il m'a peut-être repéré. Hein. Bon, attends, il nous fait perdre. Hey, gros, il est flingué, frère. Ah là, non, il va nous casser les couilles, il est nuit à chier. Y'a un sac ici. Cigarette, poids, absorbant-fin. Okay. Aspo-en-fin, cigarette et du whisky violet. Ça, je vais violet, pouvoir te faire ça va se faire ça. Je vais pouvoir te faire une petite gnôle. Attention, tu m'en diras des nouvelles, bichette. Hein. Ah ben. Nickel. On fait ça dès quand? Oh là, il est balèze lui, wesh. Oh merde, c'est. Yo. Champi ne te retourne pas. Champi. Il y a des milliards de zombards. Ah ouais? Bah déjà, là, on a un qui dort ici. Là, on a trois. Contre, y a une caisse. Il y a une petite caisse là. Et il y a des. Attends. Occupe-toi. Je m'occupe de celui-là. Lui là. Hop, mort. Occupe-toi d'un des deux. Et tu enchaînes sur le deuxième. Ok, c'est bon, bichette. Attends, il est où le deuxième? Putain, mais il a disparu. Mais non, il est là. Je suis fou, frère. j'ai pas vu. Oh, c'est bon. Je l'avais pas vu, elle. Putain, tu l'as attrapé par la jugulaire. Crochetage intermédiaire. Bon, je m'en occupe. Vas-y, je te couvre. J'ai bossé à Fort Boyard pendant 9 ans. Et je suis toujours à Fort Boyard. Non, j'ai perdu un crochet. Je suis pas scroche-tout. Il est beaucoup trop fort. Tu peux le faire, ce n'est qu'une petite caisse rouge. Je suis en train. Vas-y. C'est fait. D'une hachoir. Oh putain. Quoi? J'ai eu un hachoir. Mais un hachoir de type H? Un hachoir de type grosse hache. Oh non, par où on passe? T'es mal la taille du hachoir. T'es mal la taille du rat surtout. Oh merde. Allez viens. Et heureusement qu'il n'y a pas de pile à avoir pour les lampes. Hein. Ouais. Oh putain, t'imagines l'horreur. Vous avez ramassé un nouvel objet ramassable? Bah ils sont cons, sinon je l'aurais pas ramassé. Pour ouvrir le menu des collections. Ouais, on collectionnera plus tard. Hein. Utiliser des leurres. Oh, il y a de l'UV. Où ça? De l'autre côté du truc, c'est violet. J'arrive. Attends, je brise 2-3 nuques. Brise des nuques. On n'a pas besoin. Bah si, ça fait monter tes jauges de nuque. De nuque? Mais frérot, tu vois pas tes jauges qui augmentent à droite? C'est l'XP et tout, c'est comme ah ça ouais, les ah ouais. Bah oui, Einstein. Prends ça, ouais. Saloperie de zombie. Il est bon. C'est quoi qui fait bip bip depuis ta... Ah oui, c'est rien, c'est ma Punto qui est garé en double fil. C'est le mec. Ah putain. Okay. Voilà. Le tunnel technique vers la station principale. Comment il sait où on est? Genre, c'est Morpheus dans Matrix ou quoi, genre? Vous posez trop de questions, on va devoir vous... Non mais, retourne-toi. Oh, regarde. Ok. Oh. Attends. On va rester à la lumière, là. Reste dans les UV. Ouais. Oh non, c'est fermé. Oh, l'UV, il UV plus. Oh, l'UV. Non mais attends, le temps ne baisse pas, non? Si, ça baisse. On s'est fait baiser. Putain, l'UV, il a fait. C'est bon, vous avez eu assez d'UV? C'est comme si on l'avait absorbé et qu'il ouais, marchait plus, tu vois. Ah oh, mais qu'est-ce facile. Un vomiteur. Oh la vache! Il veut pas allumer sa rampe, je crois, c'est Mati. Hakon! J'ai un problème! Hakon! Nickel. Là, il capte plus. Bon. Tu sais ce qu'il faut faire? Ouais, mais comment on lance un couteau de lancer? C'est gâchette de gauche. T'as crame enculé. Ouais, moi je lui envoie des couteaux de lancer. Et il est mort, hein. Mort, je l'ai eu. Alors? Il en pense quoi, celui-ci, là? Hop, on fouille. 24 balles! Et un trophée infecté. Oh, il a un trophée. Oh, nice. Ah, c'est eux, inhabituels.
Allez, go. Accrochage intermédiaire, bouge pas, j'ai fait fort moyen. Vas-y, passe crochetage. J'y arrive pas. C'est bon. Attends, un petit soin, ça fait pas mal. Ah ouais, t'as pris ta part ? Non mais je sais pas, en fait, j'ai l'impression d'avoir une mini barre de vie, en fait. Genre, j'ai l'impression d'être l'OHP tout le temps. Ouais. Moi aussi, j'ai... Oh, ok. Attends. Ok. Elle va pas s'éteindre, elle. Ok. Attends. Je regarde l'inventaire, parce que là, en... On a eu du pas mal. Là, on a du vert. Donc vert, c'est mieux que bleu, non ? Non, bleu, c'est mieux que vert. Ah ouais ? Ouais. Mais... Après, ça dépend, parce qu'un vert niveau 2 est mieux qu'un bleu niveau 1. Tu m'en diras tant. Ok. Ok. T'entends ce bruit ? Oh, y a quelqu'un qui parle. Et c'est pas moi. Non, c'est moi non plus. Sinon, tu m'aurais entendu. Allez, go. J'aime bien cette mission-là. Allez, je m'attendais à un truc hyper répétitif et très très chiant pour être honnête avec toi. C'est pas du tout une très bonne position pour ramper, monsieur. Tu crois que t'es une bonne posture? Moi, je suis dans une très très bonne posture. Non mais... Pourquoi tes pieds sont proches de tes mains? Mais tu fais pareil, gros. Et toi, tu fais peur, on dirait un zombie, frère. Genre, vas-y, regarde-moi, là. Regarde. Attends. Regarde. Imagine, t'es dans un truc et t'as quelqu'un qui fait genre... Mais bonjour, messieurs. Comment allez-vous? The Rock. Horrible. Ah, ok, c'est bon. Attends, comment tu t'en fais voir l'animation? Non, bon, ça c'est... va, classique. Oh putain. Oh, attends. Oh, faut que je bronze là. Vas-y. En gros, je fais tout le boulot et toi, tu sais où les doigts. Moi, je bronze, moi. Toutes les lampes UV sont pour moi. Ok. C'est bon, vous suivez. Attends, on vient faire quoi déjà ici? Je sais plus. On doit... Ah, on accède au centre pour pouvoir trouver des infos. En milieu. Hakon, je suis à l'intérieur. 5 paquets. Comme des bios et... Attends. 5 paquets de cigarettes. Je suis sur la plateforme. Ouvre le sas, j'y serai dans une seconde. Oh viens, regarde. On peut fouiller, ouais. Fouille. Des florins. Fouille. Non, on est dans quel pays? On est à Florentine. Oh. Ok. Alors. Là, il y a des sacs, là. Sacs verts. Ça, c'est du lourd, ça. T'as modifié quelques armes, toi, ou pas encore? Non, bah, pas... qu'on s'achète un plan pour modifier le... Tu vois, le manche? Ouais, le toxine, là. Il me fait de l'œil, hein. Je me demande si on touche un humain, est-ce qu'il vomit et tout. Oh, il y a un bail, là. Bonsoir. Non, mais attends. Ça marche pas, là, l'UV? Ils se foutent de la gueule du monde, hein. D'ailleurs, quelle est cette arnaque? Je suis pile poil en dessous. Quoi? Ça marche pas. Ah, j'avoue, ça marche pas. Et là? Et ça marche plus. On est mort. On a trop bronzé. Ok, viens, faut que tu viennes, c'est là. Voilà, je pense qu'on va devoir se battre. Bah là, bah non, y'a Hakon derrière, non? J'ai rien su. Merde. Fabrique des surins, peut-être. Qu'est-ce que tu fais ici? Lève de main, mon seul point faible. La tête de mon deuxième seul point faible. Oh, les couteaux, d'où mon seul poisson! Il se baladait dans les tunnels de la putain de racaille du bazar. Ou plutôt un espion renégat. Ouais, il a pas la tête d'un renégat. Prendre les mains dans un sale état. Il est réveillé. Qu'est-ce que tu fais dans notre base? J'essaie juste de me rendre au centre de la ville. Le centre? Le tunnel restera fermé tant que vous n'aurez pas balancé les meurtriers de Lucas. Sale vermine! Comment est-il possible que personne n'ait rien vu, rien entendu? Et que vous ayez soudain oublié l'interdiction de passer? On pourrait commencer par te couper les mains? Pour te rafraîchir la mémoire, hein? Qu'est-ce que tu faisais il y a 4 jours? Je suis un pèlerin. Il y a 4 jours, j'étais à des centaines de kilomètres d'ici. Ça suffit, Anderson. On a besoin de la vérité. Et tu l'obtiendras pas par la force.
Mais commandant Lucas disait toujours... C'est moi qui commande. T'as lu les rapports ? Un pèlerin s'est récemment pointé au bazar. On dirait qu'il ment pas. Laissez-nous, sergent. Je veux lui parler en privé. D'où est-ce que tu viens ? De Crossdale River. C'est à plus de 1500 kilomètres d'ici. En fait, c'est à plus de 2000. Les ponts de l'autoroute se sont effondrés, il n'y a pas de chemin direct. Et t'as réussi à arriver jusqu'ici. Sacré détour, 500 kilomètres. Impressionnant. Oui. Comment ça se passe dehors en ce moment ? Je fais quoi, dangereux ? Oui. C'est comment en dehors des murs ? On sait jamais quand ça va vous tomber dessus, sans parler des territoires à explorer et des nouvelles menaces. Et t'es venu pour te mettre à l'abri ? Je suis venu parce que je cherche quelqu'un. Et on dit que pas mal de monde a survécu à Vildor. Tu cherches quelqu'un ? Je peux peut-être t'aider, mais pas gratuitement. J'ai l'habitude, dis toujours. Pas de bêtises. C'est bon. Le tunnel reste fermé tant que j'aurai pas trouvé le meurtrier de notre commandant. Le commandant Lucas. On a retrouvé son corps au bazar. Atrocement mutilé. Les gens du bazar nous facilitent pas la tâche. Ils sont fiers et fidèles. Ils refusent de dénoncer qui que ce soit. Mais le commandant perd patience. J'ai des ordres qui viennent d'en haut, pèlerin. Si les habitants du vieux Vildor ne se calment pas rapidement, notre armée viendra ici et réduira en cendres le bazar. Je préférerais éviter ça. Qu'est-ce qu'il te faut ? Lucas avait une arme. Un point américain assez rare, surnommé Lazare. C'est la clé si on veut trouver le tueur. Si t'entends un truc sur le Lazare, préviens-moi. Je te promets que je t'en vaudrai ça. Il vaut un paquet. Et on l'a pas retrouvé sur lui. Je pense qu'un habitant du bazar l'a peut-être récupéré. Je peux essayer ou pourquoi devrais-je te faire confiance ? Il a pas l'air méchant en vrai, hein. Mais... Non, non, en vrai, je pense qu'il veut venger, son commandant. Donc moi, je suis David et de l'aider, ce monsieur. Après, on aura tellement de choix moraux à faire, c'est horrible. Si j'y parviens, vous me laisserez accéder au centre ? C'est pas aussi simple. Vildor a beaucoup souffert. La ville a d'abord été isolée du reste du monde à cause de l'infection. Et puis, les murs l'ont sauvée. Mais les gens ont appris à se méfier. J'ouvrirai pas le tunnel tant que j'aurai pas de tueur. Mais si tu trouves le Lazare, je m'en souviendrai. Tu seras le premier à passer quand justice aura été faite. On dirait que j'ai pas trop le choix. Je vais essayer. Fouille un peu. Pose des questions. Et ne reviens pas les mains vides. Bonne chance. Ok. Bon, on n'est pas avancé. Dis donc. On n'est pas avancé. Zone sécurisée, le terminal principal. Bon. C'est bon, on a une lampe torche parce que c'est très sombre comme jeu. Sans lampe torche. Hop. On repasse. Yo, j'ai retrouvé ton arme. Bonjour. Qui êtes-vous ? Eh, Hakon, t'es là ? Eh, mon pote. Bon, bah voilà, on est ressorti. Bah, bien joué, Fufu, c'était une belle mission, ouais. Hein. Bah, super, en plus, on pourra revenir ici quand on veut, quoi. Ah, ouais, yo, les gars. Retrouve-moi dehors. Oh putain, mais est-ce que ça veut dire que on va pouvoir faire un choix entre les gens du bazar, les gens d'ici et tout ? Mais Hakon, ça a l'air d'être un frère, hein. Moi, je le suis quoi qu'il arrive, hein. Bah, Hakon, il a l'air de s'entendre avec tout le monde, il a pas l'air d'être lié à un endroit. Il est juste là. Les niveaux discrétion. Oui, je t'attendais ici. Vas-y. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il te voulait ? Est-ce qu'on lui dit ? Kator m'a demandé de l'aider. Bon, on lui dit. Ah, pourquoi t'étais parti ? Ouais. Kator a dit qu'il me laisserait accéder au centre, si je l'aide. Quoi ? Et t'es censé faire quoi pour lui ? Il veut que je trouve l'arme de Lucas. Ah ok, bah on balance vraiment tout pour le coup. Oui. Elle a disparu de la scène de crime.
Il pense que ça l'aidera à démasquer le tueur. Le Lazare, hein? Un joli point américain, non? Je connais un gars qui échange des objets volés et d'autres trucs qu'il récupère auprès des voleurs. Un receleur? Un receleur à mi-temps, un arnaqueur à plein temps. Un ingénieux aussi, tiens. Il a la moitié de la ville au cul pour des dettes en ce moment. Si quelqu'un à Ville d'Or était assez fou pour acheter une arme de pacificateur, ce serait lui. C'est quoi son nom? Hubert Kerbatsos, aussi connu sous le nom de Ubi la Poisse. Il s'installe tous les jours près du moulin à vent. Et il attend les clients. Il vend sûrement de l'alcool et de l'herbe au pacificateur. Si tu veux trouver le Lazare, parle à Ubi. Je vais chercher d'autres pistes. Ok, on reste en contact. Je pense qu'il faut tout lui dire à lui, hein. C'est le bro, c'est le frérot. Ouais, bah puis en plus il veut qu'on aille vivre loin, tu vois, qu'on aille kiffer. Main dans la main, y a une bromance qui peut s'installer avec cet homme. C'est... quoi? De quoi? Bah t'as pas entendu crier dans le bordel là? Il y a eu un mec qui a crié énervé. Ah oh non, fufu. Que se passe-t-il? T'as pas fait la roulade? Mais y a pas de roulade à faire. Mais si, regarde. Regarde là, en appuyant sur rond. Alors, ça va? J'ai appuyé, mauvais bouton. Attends, mais c'est pas rond. Si, c'est rond. T'es sûr? Mais en fait, le problème, c'est que si c'est trop haut, ça marche pas, et si c'est pas assez haut, ça marche pas non plus. Regarde, ici, ça devrait le faire, là, attends. Pas assez haut. Vas-y. Ok. Hop là. Ah ouais, ok. Alors attends, faut sauter ou je me laisse tomber? Non, tu sautes et au moment où tu touches le sol, rond. Voilà. Hop, 6 bandages là pour attraper les conneries. Voilà, nickel. Maintenant, il n'y a plus qu'à se bander. Oh yeah. Firebomb 2. Eh, ils ont abusé sur les effets lumineux par contre, hein. Ah, il voulait montrer que même sans RTX, ouf. Nous maîtrisons la lumière. Voilà. En plein gueule. Ok, bien, on passe par ici. Putain, les gouttières, ça consomme grave, hein, ça suce, hein, comme on dit dans le milieu. Hein. Exact. Mais maintenant qu'on a 20 d'endurance supplémentaire... Nous sommes les héros de la vie. Oh putain. Je dois défendre la gouttière. Quoi? Faut remonter là-haut? Ok. Et ensuite? Oh, Fufu. Oui. Mais comment on va faire? T'as dit qu'il faut combien d'endurance? Ah! C'est bon, Fufu. On a assez d'endurance? C'est bon, Fufu. Ah bon, okay. On a assez d'endurance. J'aime pas les gens qui approchent. Attends. Ok, c'est lui le voleur. On active notre truc quand même là? Quel on voleur? Quitte à être ici. Bah là, faut parler au mec ici là, non? Ah ouais? Ah bah bon, oui. Autant activer le moulin en même temps. Eh bah, autant l'activer même maintenant. Bah oui. Ok. Il y a une musique un peu stressante, hein, on est d'accord, hein. Oui, je sais pas pourquoi. Genre, juste, il veut nous faire stresser et tout. Ouais, bon, ça le pas fait. Ok. Et maintenant? Attends, je suis en train d'arriver. Très bien. Et maintenant? Faut monter. Allez hop, c'est bon. J'active, bichette. Vas-y, active. J'ai changé de fusible, hein. J'ai mis du 3 mAh. Ah, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut pour les lampes UV. Ok, appelle le charpentier. Allez-y, les gars. Oh, bah c'est les pacificateurs. Non, c'est un gang de motards. T'as vu, ils ont pas le même look que ceux de d'habitude. Oui, oui, par contre, oui, c'est vrai, ouais. Des frères. Donc, bon boulot, les gars. Parfait. Ah oui, bah c'est les pacificateurs, oui. Y a le drapeau bleu, okay. Et tout. Bah, donc, c'est cool pour eux, non? Ah bah oui, bah c'est cool pour nous aussi, hein, ça nous fait un petit point de vente. C'est cool pour tout le monde. Exactement, tout le monde y gagne. Tout le monde se régale. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura moins de zombies dans la zone? Bien sûr que non. Ah par contre, ça fait des points de parcours et ça, j'aime. Ok. Essaye de localiser des bails. Là, j'ai un truc là. Bah le truc, c'est que... Ah bah maintenant, on peut accéder plus facilement au moulin, au voleur. Regarde, il est au même endroit. Et... Et genre, il y a de la tôle à côté de lui et tout. Allez, toi, t'es encore en haut? Ouais. Bah, en fait, moi, ça m'a TP en bas. Ok, je viens de localiser un bail. Je regarde dans mes jumelles un mec qui regarde dans ses jumelles. Nice. Attends, moi, j'essaie de remonter. Qu'est-ce que c'est, ça? J'ai découvert une cavité sombre.
Oh. Tu aimes les cavités? Surtout quand elles sont sombres. Dis-moi plus. Alors, ben voilà, ben on est pas mal, Bichette. Bon, regarde, ils ont mis des échelles et tout, putain, ils sont mieux donc que les... Alors, faut rejoindre le ref. Non, mais non. Mon sale poivre. Fallait pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Regarde, ils ont construit des plateformes. Attends, t'es parti où? Non, mais j'étais à côté de toi, ils ont construit des plateformes. C'est bon, je suis là. Fifi, non. Mon sale poivre. T'es où? Je vais tomber. Père Banté. Regarde, il est là. Attends, je me soigne. Ça m'a coûté très cher. Très très cher, cette histoire. Attends, mais mec, en fait, dans le jeu, tu sais, tu tombes pour rien, des fois. Bonjour, le voleur. C'est toi qui connais un mec qui a volé? Hubert? Qui a volé, Hubert? Non, pas moi. J'attends Ubi, aussi. Alors fais la queue. Compris. Tu sais quand il sera là? Peut-être dans une heure. Ou dans deux. On sait jamais avec la vieille poisse. Cela dit, il a une très bonne gnoule. Donc ça vaut la peine d'attendre, mec. Y a rien d'autre à faire qu'attendre, j'imagine. D'accord. On attend vraiment? Non, on attend pour de vrai. Ouais. 500 heures de jeu. Hé, hey, c'est toi, Hubert? Qui veut savoir? Un client. Qui veut savoir? Je voudrais acheter un truc. Hé, hey, t'es l'étranger qu'il voulait pendre, non? Hé, hey, Ubi! T'as un client spécial! C'est le pèlerin du bazar! Attends, je veux acheter un truc, c'est tout! Donc, c'était Ubi, hein? Ouais, apparemment il avait un rendez-vous urgent avec un autre client. Ah, c'était pas Hubert? Attends, mais faut pas le rattraper, là? Si tu l'attrapes. Ouais, c'est ça. Bah, je pense qu'il faut le cavaler après. Ouais, c'est une grosse poursuite, moi. On dirait Ubi. Une seconde. Je le vois. Strauduc court vers le nord-est. Oh putain. T'es là, Fufu? Ouais, je suis derrière toi. Ok, vas-y. On s'arrête pas, hein. Non. Oh Fufu, je suis en ta droite. Je suis juste derrière toi. Je suis déjà tombé. Et non, regarde. Oh Fufu. Hop, je fais des roulades et tout. Pars sans moi. J'y vais. Pars sans moi, rattrape Ubi. J'y vais. Ubi, il n'y a rien pour attendre. Je te rejoins par le bas. Allez, on l'a bientôt. C'est comme dans les films, Fufu, on a toujours rêvé de ça. Je suis à fond, là. Ouh, mon perso, il a sorti sa matraque, je sais pas pourquoi. Oh non, je sors de la zone de mission. Fufu. Vas-y. Mais non, il a disparu. Bacon, il est pas là. Il est pas là. Ah, impossible. Je viens de le voir il y a une seconde. Cette petite fouine doit se cacher. Regarde autour de toi. Ok. Attends, je le vois. Il grimpe. Tu vois le bâtiment du GRE? Ok, il est là. Il monte vers le toit. Ok. Okay. Et comment on fait là, Fufu? Par là. Aïe! Putain, mais c'est pas vrai, je perds que de la vie! Ah, y'a une échelle là. Hop là. Ok. Eh merde, on l'a perdu. Quoi? Mais il doit être sur ce toit, Aiden. Trouve-le. Bah, je fonce. Ça, c'est un labyrinthe, le parcours ouais, là. Je te jure. Ok, t'es où? T'es bon, je suis sur le toit. Hubert, je veux parler, c'est tout. C'est bon, il est là. Oh, et en plus, ça a un nerveux qui se chie dessus, putain. Ouais, allez, comme ça. Allez. On dirait qu'il a pris trop de coke, là. Il est... Oh, la poudre de poche. Ne me fais pas de mal, je sais rien. À propos de quoi? Je t'ai encore rien demandé. Je sais rien sur rien, je le jure. On m'a dit que t'étais un receleur, hein? Un receleur? N'importe quoi. Revendeur, peut-être? Je cherche le Lazare. Il était à Lucas, le feu commandant des pacificateurs. Et n'essaie pas de me dire que tu sais pas qui est Lucas. Bon, ben, je sais pas. Tu sais rien sur le Lazare? Tu rigoles? Même si on m'avait offert ce poids américain, j'aurais refusé.
Je suis pas idiot. Cette arme est un sujet bien trop brûlant. Hein? Ah bah oui, là, il s'est foutu de notre gueule. Comment tu savais que le Lazare était un point américain, hein? Je te l'ai pas dit. Allons, tout le monde connaissait le petit gant d'amour de Lucas. Il était toujours en train de le montrer. Si quelqu'un pensait que je l'avais, il pense peut-être aussi que je l'ai tué. Mais c'est des conneries! Mais quelqu'un a bien cherché à te le vendre, pas vrai? Je t'ai dit que... Ok, c'est bon. Mais je peux il pas il change d'avis tout seul. Je te jure. Confidentialité... Mais pourquoi il tout seul? Dis-moi, sinon... Elle s'appelle Maya. Je l'ai rencontrée dans l'immeuble de Midpacking Square, près de la vieille boucherie. Mais c'est tout ce que je sais. Alors laisse-moi. Il surplombe une caserne de l'armée ou un truc du genre. Je trouverai ça tout seul. Ok, elle s'appelle Maya. Maya, et on a le bâtiment. Et ben voilà, trouver le voleur du bois américain, et c'est refresh. Attends, Hubert c'est... a dit que quelqu'un a essayé. Ouais, mais c'est pas, il y a quelqu'un. Le... Putain, regarde, il y a encore un moulin, on se le fait? Non. Vas-y, go. C'est bizarre. Attends, je non, je pense que le moulin ne soit. Là, ici. Je vais vers Midpacking Square. Où ça? Midpacking Square, un endroit pourri. Il y a des baraques franques l'armée a installées en 23. Allez. J'adore quand tu te rends à ma. Putain, pour. La glissade, c'est une habilité, ça me dégoûte. Mais attends, on est d'accord, on peut dormir dans les moulins, non? Ça recharge les PV et ça fait passer le temps. Okay. Par contre, c'est sûr, la glissade, c'est une habilité, putain. Il va falloir monter un max d'endurance pour avoir des habilités intéressantes. Allez, on fait ça et on va pouvoir s'arrêter là. Et yes. On aura bien avancé, en vrai. Hein. Ouais. Enfin, on aura bien avancé, on n'en a aucune idée de à quel niveau on a. Ouais, c'est ça. On aura mais avancé, on avance. C'est le principal. On va, entre, on va devant. Entrez, on recule pas, c'est sûr. C'est bon. Ah vache, j'ai failli aller de l'autre côté. Et c'est bien qu'on se gêne pas, tu sais, t'as pas de physique. Oui, exact. Parce que ça, c'est aussi horrible. Hein. Bon, passe-moi, hop, cette fois-ci. C'est 12. Non, ouais. C'est une diode. J'ai mis un bout de métal, ça suffira. Allez. Tu sais, il voit une brique, il fait « Oh, une brique, ça va aller. » T'imagines le mec de Def, « Oh, votre compteur Linky, vous avez une brique chez vous ?» Eh putain. Bon, t'appelles le charpentier? Ah, reclignotement noir, ça me l'avait pas fait depuis de... un petit moment, hein. Ouais, moi aussi, mais je... là, je crois pas en avoir eu, je sais pas. Moi, ça vient de me le faire, là. C'est parce que t'as cligné des yeux? Ouais, c'est que je cligne des yeux. Et ben voilà, et voilà, 500 XP de parcours. Activité terminée. Bah attends, on check aux lunettes, et on va pouvoir s'arrêter. Mais moi, ça me TP en bas tout le temps. Tu mérites pas d'être à ma hauteur. Je mérite pas, je vous laisse faire. Ah, il y a une petite planque, elle est là, la planquenette. Ouais, cavité sombre, ok. Alors attends, près de Maya, il y a un bail. Ok, j'ai un autre bail. Ok, anomalie du greux. C'est là où il y a les caisses? Normalement, ça te met un petit icône de... On dirait une espèce de truc à deux branches. Une petite seringue, un icône de seringue. J'ai beaucoup d'activités là à repérer, hein. Et ben en vrai, on est pas mal, hein, Bichette, hein. T'en penses quoi, toi? Bah, la map a l'air immense, en train de dézoomer dessus là et. Attends, ouais, elle a l'air vraiment grande en vrai, hein. On attends, mais encore ça une et autre on ville. Va s'arrêter là. Ah ouais? Bah, va dans la carte et va en bas à droite, et encore un autre truc. Ah, mais c'est le centre-ville et tout. Oh, ah ouais, on a pas fini. Oh là! Ouais. Déjà ici, il y a l'air d'avoir v'là les trucs niveau 2, 4 et tout là. Ouais, j'avoue, il y a beaucoup à faire en vrai. Hein. Oh, là-bas, 2, 3. Oh, tant mieux. C'est ah mieux, bah, c'est ce qu'on veut. 5, ouais, 6. Clairement. Oh lolo. En plus, écrit No Man's Land. À tout moment, ça va être pas mal. Attends, t'as check qu'il y avait vraiment plus rien quand même parce que. Sinon, attention. Hein. Bon, c'est pas mal. On va s'arrêter là. Fufu, je vais descendre. Yes. Ah bah, attends. Fufu. Ah bah y'a vraiment qu'il y a un matelas. Voilà. oui, moi j'ai pas sauté pour rien. Bon, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire. On vous dit à très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure. Il est au fufu, il est là. Et bah portez-vous bien, tout simplement. Il est incroyable, mec, ton sabre là. Et oui. Il est gigantesque. Il faut s'inscrire sur le site de Techland et tu l'as. Et oui, Jamy. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Bye.